Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre Let's Play sur Foundation. Alors comme vous pouvez sûrement le constater, j'ai un petit peu avancé hors stream. Enfin hors vidéo, pardon. Alors toi tu vas continuer. J'ai eu bien d'avoir juste avant de lancer l'enregistrement un message comme quoi j'allais avoir une intempérie qui va arriver. Donc j'ai construit une ferme ici de blé qui me permet de stocker un peu plus de blé. J'ai commencé à remonter énormément mes stocks de pain. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. J'ai ici commencé une exploitation de. On va enlever ça. Une exploitation de houblon. Et j'ai construit une première brasserie et je suis en train d'en construire une deuxième. Ici je stocke mon houblon, donc là c'est j'en stocke très très bien. Je commence à produire de la bière, donc je pense qu'on fera une troisième brasserie après, je pense. On verra. Alors un émissaire, clac, du pain. Non, je garde tout. Toi tu vas démarrer ça, voilà. Puisque de toute façon j'ai de l'or, en veux-tu, en voilà. Ça monte moins quand même. Hein. Taxe territoriale 632, c'est quand même. Ça commence à être pas mal. Ça commence à être pas mal. Construction terminée, brasserie, parfait. Donc là on va assigner deux autres brasseurs. Hop. Clac. Ah non, un brasseur, pardon. Ok, donc très bien, un brasseur. Des nouveaux villageois, très bien. Ok. J'ai terminé mon église. Donc là, j'avais lancé la construction d'une église. Donc ça, par contre, ça va me coûter horriblement cher. On verra, je suis en train de déboiser ici. J'ai déboisé pas mal là. Là, je déboisais un peu aussi. On va juste voir le résidentiel. Je vais pouvoir commencer à balancer des maisons par là-bas, je pense. Après. Pour le moment j'ai pas de métier par là-bas, donc de toute façon c'est pas, j'ai envie de dire, indispensable. Ah oui, j'avais construit un grenier aussi, peut-être qu'il est terminé ici. Voilà, donc là on va affecter deux personnes et on va augmenter mes stocks de baies, parce que les baies j'en produis énormément et c'est très bien. C'est très très bien. Donc ensuite... Difficulté difficile. Réussite élevée. Bah, allez, on va tenter. On va tenter le coup. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? La boulangerie, là, elle était construite déjà. C'est à peu près tout. Je vais peut-être construire un autre... ceux qui font des vêtements, là. C'est où je les stocke? C'est ici. Histoire d'en avoir un peu plus. Histoire d'avoir mes stocks bien blindés, non? Ce serait pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ce serait pas mal, moi. D'avoir un autre atelier de tailleur par ici, vu que les stocks sont dans le coin, là. Et que je suis plein en tissu et en laine. On va faire ça. On va construire un autre atelier de tailleur. Par là. Hein, c'est pas mal, par là. Clac. Hop. Commencer la construction. Voilà, donc là je pense que maintenant le blé on est pas mal du tout. Le lait on est bien aussi, le fromage on est toujours aussi bien. Et on va commencer à monter de la bière. Et là, ça, une ferme comme ça, ça suffit. Donc on va même refaire encore une autre brasserie. Une autre brasserie par ici. Où sont mes zones ? Là, ok, faut pas que ça vienne gêner ma zone. On va faire une autre brasserie là. Hop. En espérant qu'ils viennent pas me foutre une route en plein milieu là. Cette bande de débiles, je pense qu'ils vont la faire là. Ok. Des nouveaux villageois. Est-ce que je commence un peu de l'exploitation du marbre ici? Peut-être. Est-ce que c'est utile de commencer à faire ça maintenant, sachant que j'en ai pas besoin de marbre? Ouais, c'est peut-être pas utile. Atelier de tailleur, hop, clac, un tailleur ici. Je suis toujours très très bien en bonheur.
153, on n'a pas beaucoup de villageois, mais on se développe assez vite. Peut-être qu'on va pouvoir commencer à avoir des citoyens. Peut-être qu'on va se faire une dizaine de citoyens juste pour débloquer tous les trucs de citoyens. Ah, les efforts de vos soldats ont été vains lors de la bataille. Ah mince. A inspiré certains de vos villageois. Ils souhaitent construire un chef-d'œuvre jardin médicinal afin d'honorer cette occasion. Effet bonus optionnel. La vitesse de réparation de soldats est augmentée par 2. Pression de construction, aucun. Ok, donc j'ai le chef-d'œuvre qu'on avait déjà débloqué l'autre fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes soldats ont été victorieux? Ah non. J'ai pas compris. Ça a été vain ou ça... ils n'ont pas été vains? Chef-d'œuvre. Jardin médicinal. Ouais, bon, on le construira plus tard. On verra ça plus tard. Ok. 4 voyageurs, 2 qui ont décidé de me rejoindre. Ok, donc du coup mon armée là, blessé, 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 blablabla. Là par contre ils ont pris du grade un peu tout ça. Peut-être qu'on va en ajouter un de plus, hein. Ça peut être pas mal. Ici, on va en prendre un de plus, clac. Voilà. Quête accomplie. Oh, 900 pièces. Du pain et tout. Pas mal. J'ai gagné pas mal de choses. Du fer, des pierres polies, des outils. Les outils, c'est bien. Les outils, c'est cool. Ça m'évite d'en acheter, quoi. Ok. Donc, les vêtements. Attendez, on est combien au maximum de vêtements? On est à 400, 500. Ça doit être 50 là-dedans, 50 là-dedans. Donc, ça fait 500. Ah oui, plus les stocks dans les machins. Ok, donc je peux y aller sur la production, effectivement. Ok, donc maintenant faut que je surveille juste ça. Paf, le blé on retombe à zéro hein, comme d'habitude. Ah, la farine on descend hein. C'est pas cool. Et il y a des intempéries qui arrivent. Espérons que cela passe vite, carrément. Est-ce qu'on n'irait pas faire une autre ferme ici de blé là? Est-ce que ce serait pas intéressant de faire une petite ferme ici? Moi, ouais, je sais pas. Je ne sais pas. Surtout que là, on va moins produire de blé maintenant là. Là, j'ai un truc de bûcheron ici. Donc attention, vous allez m'enlever ça. Ce campement de bûcheron, est-ce que j'ai pas intérêt à le déplacer plutôt par là? Parce que là, je vais rien en faire, je pense. Par ici. Ouais, par ici, je pourrais développer mes quartiers habitants par là, en plus. Camp de bûcherons, ici. Commencer la construction. Et on va définir une zone d'extraction par là. Hop. Ok, 2 villageois de plus. Qui vont arriver, qui ne sont pas encore là. Ok, clac, 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 clac. Voilà. Ok. Là, on va laisser quand même finir. J'ai envie qu'il me coupe ce putain d'arbre là. Qui me gêne un tout petit poil. Bon, c'est pas grave. On va laisser comme ça. On va attendre que ce soit terminé là-bas. Quand il pleut, c'est chiant, on n'y voit rien. Il y a ces espèces de nuages pourris là. Ok. Ah, il y en a quand même qui vont à l'église-église, quoi. Ils se font chier à se déplacer là-bas, quoi. Alors qu'il y a les petites églises ici. Ils sont cons, un peu. Brasserie. Hop, un autre brasseur. Très bien. Donc là, on devrait commencer à augmenter pas mal. Il faut qu'on surveille les promotions, surtout. C'est ça qui est intéressant. Camp de bûcheron. Ok, donc ça veut dire que là, on peut supprimer celui-ci. Boom, supprimer. Hop là. Le bailli est disponible pour un nouveau contrat. On va faire ça. Ok. Qu'est-ce que je voulais faire? J'ai demandé de quartz. Ouais, mais c'est hyper loin, tu vois.
avant qu'on y arrive ici. Du quartz, je sais même pas quoi ça sert le quartz. C'est pas pour faire le verre. Si je crois que c'est fait pour faire le verre on va l'acheter. Hein. Je crois bien. Je crois bien que le verre ça va être une ressource qu'on va acheter. Ah oui, je vais vider un stock de bois. Même deux, parce que le bois on en a pas besoin des masses. Hop. Les planches, on est au max, je pense. Ça, à mon avis, c'est que des trucs comme quoi ils sont pleins. Siri, camp de bûcheron. Ouais, pff, au lieu de travailler plein. C'est-à-dire que je produis beaucoup trop. Mais en même temps, c'est pas mal. Donc là, le pain, on remonte. Hein, c'est vraiment bien, ça. Par contre, on va refaire des roturiers. Donc, on va produire moins. Un émissaire s'approche d'autres villages. Enfin, le but là c'est d'avoir 10 citoyens. Vu que maintenant on a de la bière, comme ça après on pourra normalement définir un nouveau truc de. Ici là de. Qu'on appelle ça dans les marchés pour vendre de la bière. Je crois. On va pouvoir faire une auberge aussi. Peut-être qu'on pourrait faire l'auberge d'ailleurs, tiens. Peut-être qu'on pourrait faire notre auberge. On pourrait la faire par là, notre auberge, ce serait pas mal. Vers notre église, là, dans ce coin-là, là. C'est pas très centré, mais bon. Ici, là. Ici, ce serait bien aussi. Ici, ce serait pas mal, je pense. Au bord, là. Ou là, carrément, ici, on a de la place, on fait rien. Faut qu'on définisse une nouvelle zone de champ, aussi. Même celui-là, il est un peu loin, je pense, de ce truc-là. 3, c'est bien. 3 par truc. Un émissaire requiert votre audience. Du pain, non, je garde tout. Désolé, mais le pain. La farine. La farine, ça descend. Donc, je pense qu'on va. C'est trop une autre zone où il n'y a pas trop d'arbres. Ou à déboiser peut-être. Là on a une mine d'or qu'on viendra chercher après je pense. C'est chiant, on va falloir prendre ce truc là qui va me servir à rien. Peut-être que je pourrais déboiser là. Quand eux ils auront déboisé un peu plus. Faudrait que je déboise ici. Ce serait pas mal que je déboise là. Pour pouvoir me faire une autre ferme de blé. Dans ce coin là. Hop. Ça serait bien. Et il y a cette foutue intempérie là. Je la vois un peu enrouée ce soir. Nouvelle mission militaire. Former partiellement. Ah oui, c'est vrai qu'il faut qu'il se forme d'abord. J'avais oublié ça. Tiens, prends une épée. Il est blessé, va falloir qu'il se soigne. Alors, je vais aller voir ce chef-d'œuvre. Alors, la vitesse de. Quand la condition est remplie, aucun. Peut-être placé, construit en tant que bâtiment indépendant ou en éditant un monument existant. N'importe quel monument. Genre celui-là par exemple. Ah oui. Quand la condition est remplie, aucune. Donc aucune condition. Ça, la vitesse de rétablissement des soldats est augmentée par 2. Bon, on va faire un petit. On va faire un petit jardin. On va le faire où ce petit jardin? Par ici. Par là, là. Et vu que c'est pour les soldats, est-ce qu'on le ferait pas carrément là-haut? Ce serait pas mal ça, vu que c'est pour les soldats. Est-ce que ça m'apporte des trucs? Non, ça m'apporte rien. Ça m'apporte pas d'attrait ou quoi que ce soit. Donc on s'en fout. Donc on va le faire pour eux. Hop. Mais attendez, hop,
On va le faire pour eux. Je peux mettre n'importe où là. Peut-être pas sur la falaise quand même. Alors attendez, on va essayer de faire ça. Faire ça bien. On voit rien là. C'est de la daube ce que je suis en train de faire déjà. Je peux pas le surélever plus que ça. Bon. Tant pis. Clac. Clac. Tri arqué. Pergola. C'est classe. Hop. Promotion disponible. Ah, alors attendez, on finira ça après. Promotion disponible. Citoyen. Ah mince, j'en ai que 3 qui peuvent devenir citoyens. C'est-à-dire qu'il me faut plus de roturiers. J'ai combien de roturiers? 35, ah ouais, c'est pas beaucoup. Bon, alors on va attendre un petit peu avant d'avoir nos citoyens. Bon, ça me permettra de stabiliser mes stocks, un peu de nourriture. Alors, les citoyens, on a dit que... Non, les roturiers, on a dit qu'on essayait de monter à chaque fois une maison en particulier... pour que ça se passe bien. Moi je voulais faire celle-là parce qu'il y a beaucoup de fermiers dedans je crois. Fermier, 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 voilà. C'est ça. Alors, promotion. Donc cette maison, on va les trier par nom. Et donc là je veux Dizier. Dizier. Lutger, c'est du nom ça. Lutger, il est là. Ensuite, Paret, Sancia, Trub. Trudbeer, ah non, Sabatina aussi. Sabatina et Trudbeer. Trudbeer. Ils ont ces noms, je te jure. Ok, ici, est-ce que je l'ai fermier là-dedans? Bûcheron, bûcheron. Transporteur, producteur laitier, non. Parce que je pense que quand ils ont des meilleurs niveaux, ils produisent mieux. On va essayer de regarder. Dizier, Trudbeer, Paret. Ok, c'est ceux que j'ai fait monter. Péternel, où c'est qu'il habite lui, Péternel? Là. Péternel, c'est ça. Péternel, fermier, fermier, teneur marché, transporteur, fermier, fermier, parfait. Donc on va faire augmenter cette habitation aussi. Hop. Promotion disponible. En plus c'est très élevé donc c'est très bien. Elle c'était très élevé aussi donc c'est très bien. Alors le premier ça va être Bartholomette. Allons-y Bartholomette. Bartholomette. Ensuite on a Inès. Inès. Ensuite on a Keterlin. Keterlin. Péternel. Péternel. Reginzo. Reginzo. Et Isabio. Isabio. Et on va faire passer serre tous ceux qui ont des emplois. Bon. Là c'est lui transporteur, brasseur, tailleur. Brasseur et aux autres c'est tous des sans emploi. J'en ai un paquet de sans emploi, hein, peut-être un peu trop. J'ai besoin de luxe mais je peux pas pour le moment les vendre. Donc on va attendre que eux soient d'un niveau plus élevé. Citoyen. Pourquoi il n'y en a pas plus qui peuvent passer citoyen? Citoyen,
les roturiers aux besoins comblés. C'est-à-dire que sur mes 36, j'en ai que 3 qui ont leurs besoins comblés. C'est quand même dingue, ça. Pourquoi pas? Mais bon, ça me paraît un peu étonnant. Enfin bref. Donc là, j'en ai fait 12 de plus. C'est pas mal quand même, 12 de plus. Hein. On va voir, hein, mais... Des roturiers. Donc je suis passé à 47 roturiers. Je peux peut-être en faire encore 6. Si par exemple je prends... Ah mais là il me manque un fermier là. Comment ça se fait qu'il me manque un fermier là? J'ai des fermiers partout là. Une maison se modernise. C'est deux maisons qui se modernisent, ouais forcément. Ok, c'est très très bien. Ouais bah c'est les villageois qui avaient besoin de leur maison. Si je prends les fermiers là, elle habite où? Mais c'est déjà une roturière. Lui c'est un cerf. Lui c'est un nouvel arrivant carrément. Nouvel arrivant. Pourquoi je peux pas le promouvoir lui? Radueur. Fermier niveau 1. Bah voilà. Je les ai promus déjà. Roturier déjà. Voilà. Donc c'est très bien. Eux, c'est des nouveaux arrivants. Qu'est-ce que je vais faire du coup maintenant? Je ne sais pas. Bonne question. Good question. Je prends une maison au pif et vas-y quoi. Faire ça. Il faut qu'ils soient tous. Il faut déjà que dedans ils soient tous. Comment ça s'appelle? Roturier. Enfin, un cerf plutôt. On peut faire ça. Ah, par contre, elle est en désirabilité moyenne. Donc ça va. Ça, je vais galérer pour la faire monter de niveau. Celle-ci peut-être. Élevée, ouais, il suffira d'ajouter 2-3 petits trucs autour. Très élevé. Si on vient forêt, ce serait bien de faire devenir citoyen des fermiers, je pense. Je ne sais pas. Fermier, c'est où fermier? Fermier, non, il n'y a pas forcément besoin de devenir citoyen, les fermiers. Ah, peut-être que les fermiers ne peuvent pas devenir citoyens. Peut-être bien. Peut-être bien. Je ne sais pas. C'est une bonne question, ça. On verra. Ah, mais lui, il est brasseur, il habite où? Ah ouais, non, il habite là. Désirabilité faible. Tu m'étonnes. On pourra le faire monter là facilement. Pas facilement, non, pas facilement, mais on pourra le faire monter. Du coup, je sais pas trop moi. Peut-être que celle-ci, ils sont 6 dedans, mais ils sont que 5. Ça en fera que 5. Celle-là, elle est très élevée, ils sont que 4. Je sais pas trop. Peut-être qu'on va attendre de voir comme ça. Il m'en faut 10 quand même des citoyens. Là, on en avait que 3 sur 30, alors... Ouais, allez. On va... Faut qu'on en prenne une qui est très élevée, genre celle-ci, voilà.
apprenti. Ah non, c'est un soldat. Merde. Soldat, je peux pas les faire monter tout de suite. Apprenti machin. Ok. Ceux-là. Serre. Ok, très bien, parfait. Donc on va faire monter ceux-là. Par nom. Donc ça va être Dabi le premier. Dabi. Gangalando. Jorge. Ça, hein, Jorge. Lois. Non. Elfried d'abord. Elfried. Lois. Et Rosuxia. Ça, c'est bon. Ouais. Ok. Je pense que c'est pas mal déjà. Ça fait beaucoup de promotions d'un coup là. On verra ce que ça donne. Ok. Donc là j'ai dit qu'il va falloir construire un camp de bûcheron. On prévoit déjà. Commencer la construction. Ok. On verra plus tard. Je construirai bien une autre brasserie encore. 72. Ouais, parce que là ça on en produit vraiment pas beaucoup. La bière ça monte pas bien vite du tout. Brasserie. C'est le coin des brasseurs. Hein. Et voilà, ils ont construit une route ici, cette bande de guignols, ça m'a réduit ma... C'est pas grave. C'est pas grave, j'en produis bien plus qu'il n'en faut, mais... Le coin des brasseurs. C'est marrant, ils ont... Les brasseries, elles sont même pas forcément faites pareil. Là, il y a une petite... Ah si. C'est derrière, là, il y a une petite... En fait, elle est sous la terre, là, la porte. C'est pour ça. Je sais même pas à quoi ça ressemble le houblon en vrai. Il y en a un qui est dessiné, donc ouais, il y en a qui sont en manque de maison, mais ça c'est normal, ça devrait descendre maintenant, ouais. Voilà. J'ai aucune quête. Les maisons se modernisent, ouais. Ah bon. Roturier, pourquoi il est venu là lui? Je ne sais pas. Peut-être que c'est l'occasion pour eux de changer de maison aussi. 50 mètres de son domicile, elle travaille où elle? Ah oui, c'est ça. Il y en a pour certains, c'est l'occasion de se déplacer. Pour aller habiter plus près de chez eux. Je ne sais pas. Un nouveau villageois, ok, putain je gagne plus de 105 maintenant. 168, c'est pas énorme hein, 168 en vrai. C'est pas beaucoup du tout même. Dépenses générales, 1200. Ah oui, mais c'est parce que j'ai beaucoup construit en fait, c'est pour ça. Si je reste à 0 là, j'ajoute 1200 en fait. Ok, donc on a dit qu'on allait construire ce truc là. Allez, on continue. Une petite barrière. Clac. Pour construire notre jardin médicinal. Ça sert à rien de faire 10 fois trop grand, là c'est peut-être bon là, comme ça. Voilà, on commence à rencontrer des petites difficultés à cause de la pente. Du coup on sait pas ce qu'on fait. J'en ai largement plus qu'il ne m'en faut. Ok.
On va aller comme ça jusqu'au bord de la falaise. On va voir. L'androïde est au bord de la falaise, je pense. Ça va me coûter mon pécule de bois juste pour faire ces putains de barrières. On s'en bat les couilles. Terrible. On va faire ça bien. On fait de la déco un peu. On fait ça bien quand on fait de la déco. S'il vous plaît. Hop. Ok, là j'ai fait de la merde. Clac. Clac. Voilà, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Non, je ferai pas mieux. Je ferai pas mieux. Construction terminée, une brasserie. Allez. On affecte un brasseur. Un émissaire. Qu'est-ce qu'il me veut cet émissaire? Du pain, va te faire voir. Je peux pas faire ça, c'est dommage. Hop. Alors ici on va mettre une petite fontaine au milieu. Clac, une jolie petite fontaine au milieu. Des petites plantes un peu partout. Dou 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 dou. Coin à herbe. Ah, un coin à herbe, c'est marrant ça. Ah, attendez, on va faire un truc sympa. On va essayer de faire un truc sympa. Clac. Non, ça va pas marcher ça. Ça ne marchera pas. Je voulais faire une espèce de petit kiosque. Vous voyez ce que je veux dire? On va essayer de le faire par là. Clac. La petite pergola, comme ça. Paf. Un autre coin. Comme ça. Ah ouais, mais c'est dégueulasse du coup. C'est dégueulasse parce qu'on n'est pas plat du tout. C'est pas terrible ça comme emplacement du coup. Ça me convient pas. Bon, on va faire ça ici alors. Ouais, là on est un peu plus plat. C'est pas plat du tout. Hein. C'est pas plat du tout. On en est à 33 minutes de vidéo, faudrait que je m'arrête. Bon, on va le faire là. C'est pas terrible là, mais bon. C'est pas top comme coin là. On pourrait mieux le faire au milieu des habitations. On va le faire par là sinon. Ouais, allez, on va le faire par là. Allez. C'est décidé. Ça va me bouffer de l'espace un peu. Qui a un bon attrait, quand même. L'église, ça crée pas de l'attrait, normalement. Celle-là, oui, celle-là, non. Donc, elle est pas assez grande. On va le faire là, sinon. Là, c'est pas mal, là. Là, il n'y a pas beaucoup d'attrait. Il n'y a rien d'intéressant. On va le faire ici. Alors, on enlève ça. On construit notre chef-d'œuvre jardin, mon cul, mes couilles. Oula, j'ai dit gros mots, là. Allez. Hop. On va essayer de se dépêcher. Histoire de finir pas trop tard. Que cet épisode ne dure pas une éternité. Clac. Hop. Une grande ouverture là. Paf. Allez. Clac. Clac.
C'est pas assez grand ça. C'est peut-être assez grand ça. Hop. 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 Alors on va remettre un truc comme ça. Hop. Clac. Ça commence à monter un peu là, non? Un petit peu. Un petit poil. Ok. Alors, clac. Un, deux, trois. Alors, attendez, on va essayer de faire ça bien. Clac. Clac. Hop, voilà. On est bien. Donc là, on va faire comme je disais, un petit coin. On va le faire dans ce coin-là. Paf. Pergola. Ça se penche pas trop là, non, c'est assez plat. Ouais. Pergola, un autre coin. Paf. Pergola. Pergola. Coin, coin. Coin, coin. Coin et coin. Hop, et une pergola. Clac, c'est ça, un pergola. Ok, donc ça c'est sympa. Ensuite, on va mettre une petite fontaine au milieu, ici, par là, la boum. Des plantes grimpantes. Paf. Ici. De la sauge et de la menthe. Paf. Parterre de fleurons. Clac, des choux. Les choux, on les met là-bas. Choux. Plantes touffues. Bon, touffues, on va la mettre dans l'angle ici. Hop, 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 on va mettre un peu de tout, on va essayer de tout mettre. Hop, ça on a mis de la coussoude. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Hop, le chou on a mis, pantoufle on a mis. La sauge, on va la mettre là, la sauge. Hop, de l'achillée. Lâcher et chou. Clac ici. Et on va remettre un truc de fleuron ici. Paf. C'est un peu dégueulasse, un peu vide ici, mais bon. C'est sympathique. Ok, commencer la construction. Voilà. On aura notre petit jardin là qui va être bien. Qui ne nous apporte rien du tout, donc il est là. Ok. Donc ben voilà, sur ce, on va s'arrêter là pour cette vidéo, et donc dans le prochain épisode, qu'est-ce qu'on essaiera de faire? Ben on essaiera d'attendre un peu, voir les stocks de pain, voir ce qu'ils deviennent. Là, la bière, on commence à monter pas mal, c'est cool. La bière, on commence à monter pas mal, c'est cool. Avec 4 brasseries. Zéro qui m'ont rejoint, ok. Pourtant j'ai des gens heureux de partout. Ouais, on verra, on va voir un peu les stocks de nourriture, comment ils se comportent. Ouais, on a une grosse montée de... En tout cas j'ai la farine qui diminue grandement. Ça veut dire qu'il va falloir que je produise de... On va détruire ce truc là. Hop. Il va falloir que je produise du blé encore. Donc là, on va déboiser
ce petit coin là. On va essayer de refaire une ferme de blé, comme ça on sera pas trop loin de notre stock là. Peut-être qu'on en fera une autre par là. Je sais pas, on verra. On verra. Ce serait pas mal d'en faire une autre par là. Je suis à combien de villageois sans métier? Ouais, j'ai ce qu'il faut. Ok. Donc là, on se débrouille vraiment mieux, je pense, que ma partie précédente, hein. Ok, donc allez, sur ce, moi je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt. Salut à tous, ciao!